Oh les amis, vous êtes là. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Nouvelle aventure consacrée à une Coréenne. Pas souvent que j'en ai, je crois que ça doit être la deuxième. Ici, ben on prépare le matériel, comme à chaque fois. Donc, nouvelle eau, nouveau produit, les seaux sont nettoyés à chaque fois. Et puis, on va s'attaquer à cette... À cette petite voiture, enfin petite façon de parler, coréenne Kia Sportage, dernier modèle, la voiture à 12 000 km. Et on va s'occuper de cette belle petite et lui poser une céramique. Encore une belle aventure en perspective que je vais vous montrer. Allez, suivez-moi dans cette aventure. Installez-vous, on y va.
Bien les amis, bien nous voici en présence de notre Kia Sportage. Alors, petit tour du propriétaire. La voiture, comme je vous l'ai dit, a très peu de kilomètres, 12 000 km, un peu plus, à peine, même pas 13. Et ben voilà. Ce que j'ai constaté après le lavage, voyez, des petits coups. Ce qui n'était pas prévu quand on avait fait le devis. Voyez, donc ici, même chose. Des petits coups dans la peinture. La voiture, quand elle s'est présentée, n'avait pas ça. Donc ici, on va refaire des retouches. Donc j'ai été très rapidement chercher le stick de peinture pour pouvoir faire les retouches. Alors, ici, ben vous voyez, bon, micro-rayure au niveau du rétro. Alors la voiture n'a pas énormément de micro-rayures. Elle est quasi neuve, mais vous avez de temps en temps des petits défauts. Je vais essayer de vous montrer celui-là. Pas évident. Voilà. Vous l'avez juste là. Alors, attendez. On va essayer. Ah, le voilà. Vous le voyez juste là. Voilà. Ce sont des petits défauts. Alors, oui. Il y a peut-être un peu de micro-rayures, mais bon, voilà. La personne en réalité me suit déjà depuis un petit temps. Le propriétaire me suit déjà depuis un petit temps. Il m'a demandé des conseils pour justement sa voiture. Et là maintenant, ben, il passe le cap et il est venu me trouver pour poser la protection céramique. Alors, un avantage et un inconvénient sur cette voiture-ci, c'est que tout est en noir laqué. Et le noir laqué, ben forcément, ben il a dégusté. Ça. Ici, on va voir éventuellement. Hop là. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer dans les lumières. Voilà, vous voyez? Des micro-rayures. Voilà. Alors, le noir laqué, il en prend, mais. C'est une peinture qui est très très fragile. Alors, même chose, regardez les passages de roues. Ben, c'est du noir laqué. Aïe aïe aïe. Et regardez ce qu'on retrouve ici. Voilà. Voyez. Traces. Donc en gros, c'est plus le noir laqué qui a pris cher. Alors, dans la portière, vous avez même chose, des petits défauts. Regardez, juste là, en voilà un. Voilà. Même chose sur le rétro ici. Regardez. Oh les. Un petit coup de toile d'araignée. Alors ici, je reviens dans la portière. Regardez là. Un petit coup de portière. Voilà. On va atténuer ça. On va faire un petit coup de peinture dessus. Voyez, le noir. Comme je vous le dis, hein. La voiture, ce n'est que du noir laqué. Regardez là au-dessus. Voilà. Là, il va falloir passer aussi. Oh, sinon, dans l'ensemble, alors, très très belle couleur. Moi, perso, j'adore. Et comme je vous l'ai dit au début, ben, c'est une Kia. Et pourquoi pas? On va s'occuper de cette belle. La rendre encore plus belle avec une céramique, la protéger. Alors, je vous ai passé le masquage des plastiques. Et vous voyez, il y en a quand même un tout petit peu. Et oui, forcément, on sait pas fort l'éviter, mais tout le reste est en noir laqué. Et là, je me marie. Voilà. J'ai masqué tout ce qui était caoutchouc également. Le toit, dans mon avantage, est un toit vitré. Donc,
pas à travailler en tout cas. Après, alors ici encore derrière, j'avais vu des petits défauts. Vraiment minimes, hein. C'est vraiment minime, mais c'est toujours bon. Les seuils de coffre, bah, c'est ce qui souffre le plus. Là, ici, bah, sur le côté, vous voyez, voilà, on est un peu. Mais encore une fois, c'est sur le noir laqué. Voilà. Allez, c'est parti. Vous me suivez dans cette belle aventure. Et je vous reprends dans la vidéo si je vois encore autre chose. Bien, on a terminé maintenant tout ce qui était pré-lavage, lavage, décontamination du véhicule. Je viens de terminer ici, donc correction, lustrage, et alors j'ai passé deux fois l'IPA sur la voiture pour enfin mettre la couche de protection, la céramique que le client m'a demandé. On va faire le tour de la voiture. Vous allez voir maintenant comment elle est. Elle est étincelante avant de mettre cette couche de protection qui va encore la rendre encore plus brillante. C'est parti. Alors, dans le détail, regardez. Il y avait une petite trace ici sur le capot, on se rappelle, mais voilà. Il n'y a plus rien. Le rétroviseur, vous l'avez vu, hein, en avant-après. Même chose ici. Les montants de porte,
Magnifique. Le bas, même chose. On n'a plus de micro-rayures. Les passages de roues, vous l'aviez vu. J'ai fait également, vous l'avez vu, des photos avant-après et des vidéos. Regardez-moi comme ça brille. C'est magnifique. Alors oui, je suis content de mon travail. Mais franchement, quand... regardez. Dans la lumière. Alors ici, c'est contrôle qualité. Une fois qu'on a terminé la correction, ben, la voiture, je repasse partout en passant l'IPA. En IPA, j'utilise l'Optimus de chez Alchimisets. Maintenant, vous pouvez travailler avec n'importe quel IPA, hein. C'est pas en alcool isopropylique, c'est pas, y a pas une marque qui est mieux qu'une autre. Moi, j'aime bien travailler avec Alchimie. Regardez le rétroviseur. On se rappelle que celui-ci était franchement bien micro-rayé. Et même chose ici. Voilà. La voiture est prête maintenant à être protégée. Alors j'ai opté ici pour la protection céramique. On va passer sur une G-Technique, la Crystal Serum Light. Regardez-moi comme elle est belle. Elle est magnifique. Alors même chose aussi hein, au niveau de la calandre. Là j'ai quand même un tant soit peu souffert. Mais nettoyer tous ces petits nids. Les corriger. Et voilà. Allez, c'est parti, vous me suivez pour la protection. On y va.
Bien les amis, notre petite aventure avec la Kia s'est terminée. J'ai directement enchaîné avec d'autres aventures. Vous voyez ici l'une d'elles d'ailleurs qui sera présentée ultérieurement, une Fiat 500. Pour la Kia, parce que c'est surtout celle-là qui nous intéresse en tout cas, le propriétaire a été ravi de pouvoir récupérer son véhicule. Il avait les yeux qui étincelaient aussi fort que sa voiture d'ailleurs. On va faire le tour du produit terminé, du final. Je vous mets les quelques photos intérieures, extérieures, avec la brillance de la céramique. Elle revient prochainement pour son contrôle céramique. Là, je ferai peut-être un short à ce niveau-là. Et puis, cette petite Fiat ici, vous la verrez très bientôt sur la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine aventure. Vous la voyez, elle est prête. Elle se prépare en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche. Vous mettez un pouce si la vidéo vous plaît. Vous mettez un commentaire. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, sur le groupe. Instagram également est là aussi pour vous montrer 2-3 petites choses que je ne montre pas nécessairement sur Facebook et sur YouTube. Moi, je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à très bientôt pour la prochaine aventure. Elle est là, elle arrive. Allez, ciao les amis, on se voit bientôt. We'll be right back.